Je vais vous expliquer ici comment utiliser KMS Auto pour activer votre Office ou bien votre Windows. Donc, par là, j'ai téléchargé l'application ici. Alors, donc, je fais clic droit pour extraire ça. Clic droit sur le fichier pour extraire. Donc, j'ai ici extraire vers KMS Auto Net. Donc, je clique sur ça. Ça va extraire ça. Donc, ça extrait, c'est ça comme ça. C'est venu et c'est ça comme ça. Voilà. Donc, comme j'ai déjà désactivé l'antivirus, je peux déjà double-cliquer pour entrer dans le fichier et puis commencer mes installations. Donc, voilà le fichier comme ça. Je fais clic droit sur le fichier et exécuter en tant qu'administrateur. Donc, je clique sur ça. Ça va demander la confirmation. Je dis oui. C'est oui. Donc après, ça va s'afficher. Voilà. Donc une fois affiché, ça vient d'être affiché. Donc vous avez activé Windows et puis activé Office. Voilà. C'est dans principal. Si vous ne voyez pas ça, c'est dans principal. Voilà. Donc activé Windows, activé Office. Donc votre cas, soit votre Windows qui est désactivé, soit votre Office est désactivé. De toute façon, les deux peuvent être désactivés en même temps. Donc, si Windows est activé, si vous regardez juste en bas ici, en bas, dans les écritures, la page bleue là, vous allez voir, votre système est activé. À mon niveau, c'est le cas. Vous voyez, votre système est activé. Donc, en ce moment, je n'ai pas besoin d'activer Windows. Donc, c'est Office que je peux activer. Donc, je clique sur Activer Office. Ça va lancer la recherche de Office sur mon ordinateur et ça va venir m'afficher. Donc il est en cours d'activation. Vous voyez, en cours d'activation, il suffit d'attendre juste quelques secondes. Voilà. Et vous voyez, produit activé avec succès. Donc Office a été activé. Donc on peut cliquer ici pour quitter. C'est tout.